Bonsoir, merci d'être venu à cette projection intitulée « À la découverte de la vidéodance ». Merci au Centre culturel Jean Gagnon et Maëva Turcios pour votre invitation et collaboration. Je suis Paulina Ruiz Carballido, je co-dirige le festival Agite y Sirva, festival itinérante de vidéodanza, avec mes collègues Jimena Monroy, Jimena Fargas et Diego Martinez. Nous avons préparé cette projection pour vous montrer d'une façon kaléidoscopique les différents points de vue et les différentes approximations et des créations en vidéodance des artistes chorégraphiques et cinéastes. Qu'est-ce que c'est la vidéodance? La vidéodance est une inscription de l'image dansante à l'écran. C'est des images mouvement, des images sonores, des pas de deux entre la caméra et les danseurs. La relation in situ avec l'espace écran, en étudiant qu'est-ce qui fait cadre. Actuellement, les termes vidéodance, danse à l'écran, screen dance, danse pour la caméra, danse vidéo, danse film, ciné-danse, choreo-cinéma, termes proposés par John Martin, critique de la danse dans les années 45, après avoir vu le film « I Studied Choreography for Camera » de Maya Deren et Tali Biati. Ces termes « choreo-cinéma » actuellement, on le réactive, on l'invoque grâce aussi aux études des recherches ciné-chorégraphiques que Jimena Monroy, ma collègue, a étudié et mis en place depuis les dernières années. Et tout ça, c'est des synonymes qui expriment les conditions de création et les possibilités et l'intention d'inscrire la danse à l'écran. Donc, la vidéodance est un objet transdisciplinaire et fait émerger une création hybride de la confrontation et du croisement des différents médiums artistiques, dont danse, cinéma, vidéo et nouvelles technologies. Quand je parle de danse, je le parle d'une façon large, dans toutes les techniques et différentes corporités des danses, d'ici et d'ailleurs. Ces disciplines offrent une création nouvelle, ils s'articulent entre elles, ils se mêlent, ils se métissent, ils s'hybrident, et hybrides pour ouvrir la perception de chacune à ce qui les traverse et les dépasse, le geste dansé,
l'état des états des corps, le corps en mouvement. Si bien nous trouvons une histoire de la vidéodanse depuis le début du cinéma, notamment pendant la période du pré-cinéma, avec les travaux d'Edward Muybridge, anglais, et le français Étienne Jules Marais, sur ce travail de la chronophotographie, cette captation et inscription du mouvement, pour vraiment analyser ces pré-mouvements et les déplacements du corps, mais aussi des animaux, des êtres vivants. Et notamment aussi, nous trouvons une histoire entre les cinémas des Frères Lumière et l'œuvre aussi de Louis Fuller, notamment la danse serpentine. Nous trouvons les œuvres d'Edison, mais c'est dans les années 40 qu'on trouve vraiment la prémisse de la vidéodanse, comme j'avais évoqué antérieurement, que c'est l'œuvre de Maya Deren, Studying Choreography for Camera. Après, nous avons depuis les années 60-70, un boom pendant la danse postmoderne américaine, en lien aussi avec la vidéo des époques des années 70, le travail de Cunningham avec toutes les vidéastes et collaborateurs, notamment aussi avec John Cage, Charles Atlas, etc., parmi d'autres. Ils ont complètement proposé différentes approches de la vidéodanse. En France, avec Philippe Découfflé, tout le travail des œuvres somatiques en incorporant l'outil cinématographique au service de la danse, et parmi d'autres chorégraphes importants de l'histoire du monde, des différentes géographies en Amérique et en Europe. Pour penser la vidéodanse ou la danse à l'écran, il faut penser quand on voit la vidéodanse, et penser à la danse ou un corps en mouvement avec sa relation à l'espace, au temps, à l'énergie. Parler du corps et parler d'espace, de temps, d'énergie et des relations qui se créent avec des autres corps, mais aussi de l'espace et son environnement. Agite y Sirva, festival itinérant de vidéodanza, a été fondé en 2008 en tant que réseau de diffusion de formation, des productions et des recherches sur la vidéodanse à travers une tournée internationale de projections, installations vidéo, ateliers, laboratoires de création, résidences, diplômes, conférences, tables de réflexion, présentations de publications et différentes expériences ciné-chorégraphiques en lien avec différents publics en Amérique latine, Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nous espérons que vous avez apprécié cette projection, conçue par Jimena Monroy et moi-même, une projection dans laquelle c'était pour vous inviter à découvrir un éventail de courts-métrages extraits de 45 œuvres cinématographiques sélectionnées dans le cadre de la Biennale Agite y Silva 2019-2020. Donc, il s'agissait des 10 courts-métrages en provenance des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Argentine, d'Iran, d'Espagne et de France. Nous pouvons ouvrir maintenant le dialogue et je serai ravie d'entendre vos découvertes, vos impressions sur cette programmation autour de la vidéodanse.